Coucou tout le monde! J'avais envie de vous faire un tirage spécial tout feu tout flamme et spécial sentimental. Je l'acte dans la matière. Alors bien sûr, ça pourra vous évoquer aussi des sujets professionnels et familiaux parce que intrinsèquement, la guidance sentimentale, vous le savez, elle amène à parler de plein de choses. Et donc, j'avais envie de vous faire un spécial sentimental, mais un peu tout feu tout flamme. Alors, je vous dis tout le temps, ne nous enfermez pas dans le parcours de flammes jumelles et compagnie, et cetera, mais c'est vrai que ce parcours existe, il y a des gens hypersensibles en tout cas, et donc ils s'enflamment aussi différemment lorsqu'ils tombent amoureux. Personnellement, ça me fait souvent penser à des couples d'animaux, moi. Souvent, ça me fait penser, ben là, je vous ai mis les images des deux loutres qui se tiennent par la main, elles sont tout feu, tout flamme, ces loutres. Et puis, j'ai pensé aussi à l'image du blaireau. Alors, les blaireaux, c'est un gros blaireau. Donc, j'ai failli mettre dans le titre, attention, il y a un gros blaireau dans cette histoire. Mais c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que, au contraire, le blaireau, dans la médecine chamanique, il a beaucoup de qualités. Et c'est lui qui est, on retrouve la qualité du conteur. Alors voilà. Alors avant d'attaquer plus à même le message, qui est une totale canalisation surprise, parce que j'aime bien faire des vidéos sous canalisation, parce que c'est pour changer aussi. Voilà, ça c'est des trucs qui me traversent, que j'ai envie de faire partager. On a donc, je vous embrasse bien fort. Donc prenez attention et du recul, la guidance reste collective. Je le rappelle, si vous avez besoin de faire un point sur votre situation privée, vous avez mon mail, le descriptif de mon parcours professionnel. Pour les nouveaux personnes qui me découvraient, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le social, en tant que j'ai fait des études de psychologie scientifique et compagnie, art thérapie, blablabla. Bon, c'est pas pour les diplômes, mais ça m'a permis quand même d'accéder à des fonctions et des responsabilités. Je suis pas carriériste du tout, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire comme formateur, directeur de centres sociaux et dans les dernières fonctions notamment coordinateur. Examinateur, alors coordinateur justement spécialisé en écriture. Et donc à former le personnel de la ville de Marseille sur certains domaines et à former le personnel privé des ligues de l'enseignement par exemple ou des centres sociaux. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire qu'on peut, l'un n'est pas antinomique, on peut faire de la voyance et travailler en complément de cette voyance sur des sujets voilà, pour vous accompagner aussi à votre réussite. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin d'informations et je vous dirai les créneaux que j'ai, plutôt en semaine prochaine d'ailleurs. Alors on va attaquer ce message sur ce sentimental un peu spécial, tout feu tout flamme. Ils sont tout feu tout flamme, c'est tout feu tout flamme, c'est un couple durable. Je parle ici, alors vous pouvez être en séparation ou rencontrer la personne, hein, ça va dépendre de votre histoire, ou ils sont tout feu tout flamme, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ou en distanciation. Les blaireaux, le couple de blaireaux spécifiquement, on va faire, c'est un couple de blaireaux et de loutres. Tiens, je vais parler du blaireau et de la loutre. Donc pourquoi? Ils se mettent en couple, ils restent en couple et les blaireaux ne se reproduisent qu'avec la même couple à la même période chaque année. Tout le temps, toute leur vie, avec la même. Le même blaireau, femelle. Déjà, premièrement. Par contre, dans la tradition des animaux totems, voilà, chamaniques, l'animal totem du blaireau est associé à la colère. J'en ai pas parlé hier, mais l'énergie avec l'énergie de Elémia pour le 0101, l'ange Elémia, il nous parle aussi des vases de la colère. Hein. Voilà, il nous parle des faux dieux, mais aussi de la colère. Il est associé à un des sept péchés capitaux, la colère. Donc ça m'a fait écho pour ce spécial sentimental. On a donc des blaireaux. Alors ça me fait rire de dire, ça me fait rire bien entendu, mais on est tous le blaireau d'un autre. Hein. On est peut-être des fois on n'est pas blairé, on blaire pas. Et puis on dérange parce que quand on dérange, on dit des vérités, on peut se mettre en colère et puis on se positionne et puis ça peut déranger notre partenaire qui est aussi un blaireau. Parce que si votre partenaire blaireaute ou blaireau fait n'importe quoi, vous allez vous mettre en colère et vous allez le piquer et ça va l'embêter et ça peut la mettre, voilà. Ou si dans une soirée vous avez fait n'importe quoi, votre blaireaute ou votre blaireau, il va s'énerver. Vous voyez? C'est des animaux qui se mettent en colère, mais fortement. La colère, c'est révélateur de quelque chose qui ne va pas en soi.
soit d'une jalousie, soit d'un manque de confiance, soit de on ne s'est pas posé ses limites, soit on se juge, on se compare. Voilà. Il y a un truc comme ça qui fait que la colère, elle arrive et elle explose. C'est histoire de marquer son territoire. Alors, les blaireaux, ils savent bien marquer leur territoire, hein. Et s'ils voient autour qu'il y a des lapins, des écureuils et des. Parce qu'ils se nourrissent de ça, qui viennent à tourner autour de leur blaireau ou de leur blaireotte, ils se laissent pas faire. Voilà. Donc il faut voir le comportement de la personne. Parce que si la personne a vraiment eu un comportement de blaireau dans le sens péjoratif du terme, moi je pense qu'il y a eu un truc comme ça, eh ben forcément ça a mis en colère l'un et l'autre. Voilà. Alors qu'ils s'aiment et qu'ils sont. Alors si ces gens-là sont en séparation, ils sont super tristes parce que ben, c'est un peu comme les loutres. Les loutres, ils ont un couple dans leur vie. Donc, ils se mettent en un couple. Il n'y en a pas un autre. Ils peuvent tester d'autres couples. Si l'autre, il est vivant, il y aura toujours la loutre. Donc, je pense que si ces personnes se sont fâchées, se sont mises en colère, voilà, par à cause de la colère, justement, de l'orgueil et de la colère, ben, ils sont super tristes et ils ont envie de se retrouver. Donc, ça fait partie peut-être un peu du parcours des flammes. Est-ce que les personnes, on va voir un peu. Le cheminement de cette situation-là, est-ce que les personnes ont évolué ou pas? Ok? Voilà. Alors, il y a plein de choses à dire sur les blaireaux, sur les blaireaux et les loutres, hein, bien entendu. Allez, c'était pour changer aussi. En tout cas, cette phrase, comme d'autres, m'ont traversé. J'avais pas forcément envie d'attaquer direct cette semaine un sujet grave. Parce que c'est la nouvelle année, il y a encore les fêtes, envie de rester sur une énergie un peu joyeuse. Mais pour ceux qui découvraient la chaîne, sachez que dans mon travail, j'aborde des sujets extrêmement graves. Hein. Je travaillais avec la PJJ, j'ai travaillé avec des centres éducatifs fermés, j'ai travaillé avec des foyers, voilà, des orphelins, des enfants battus, maltraités. Voilà. Donc là, j'avais envie d'un peu d'humour. Mais ces personnes ont pu vivre aussi des choses graves dans leur vie. Hein. On va regarder avec les cartes. Voilà, vous voyez, bon, ben, il y a le 11. Ben, il y a le 11. La justice et la route. Oui. Elles ont sauté. 11. Bon, je vais prendre qu'une carte. Vous savez que j'aime bien prendre qu'une carte. Mais le 11, il n'est pas venu pour rien. Hein. Il y a une flamme. Et il y a le 11, il renvoie aussi à la Shakti, au couple Shakti Shiva. C'est surtout la Shakti. Mais c'est détruire pour reconstruire. Donc il y a eu comme une explosion aussi, hein, avec la colère. On retrouve le feu. Alors actuellement, au moment où je fais le tirage, on a le Capricorne en Soleil, mais on a Mars qui rentre cette semaine en Capricorne. Et Mars, c'est aussi la colère. Donc il peut y avoir un retour de communication aussi. Mais en colère aussi, attention. En fait, vous ressentez des choses là en ce moment. Et puis on a Jupiter qui amplifie. Il est revenu quand même en marche directe. Donc ça, c'est positif. Donc il y a encore peut-être. Vous ressentez une amplification de choses. Hein, voilà. Ça peut être dans votre couple. Ça peut être dans votre histoire en dents de scie. Et ça peut être éventuellement aussi en une personne, vous êtes célibataire et vous avez vécu des choses comme ça et vous devez faire attention. Parce que voilà, il y a l'ermite. Donc l'ermite, c'est très bonne carte. Il y a encore quelque chose, quelqu'un qui essaie de comprendre en fait. Quoi qu'il en soit, il y a une personne qui essaie de revenir, cette personne essaie de revoir le cycle précédent. Elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle pense à ce qui s'est passé. S'il y a eu une dispute, une terrible colère qui aurait pu mettre à distance le partenariat, voilà. Elle essaie de comprendre. Alors, pour ne pas reproduire, parce qu'elle s'est peut-être trompée de loutre ou de blaireau, elle a peut-être rencontré un vrai blaireau, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas blairer. C'est-à-dire, il y a le bon blaireau. Alors, pour dire que, quand même, le bon blaireau, dans l'animal totem chamanique, et dans les animaux totems chamanique, c'est l'art du conteur, c'est-à-dire il va raconter des belles choses, il manipule pas, mais il raconte plein de belles choses à toute la communauté. Le mauvais, c'est plutôt un solitaire qui supporte pas les autres, hein. Ouais, parce qu'il y a des blaireaux qui sont solitaires, mais il y en a un. C'est un conteur. Après, il y a le conteur qui manipule, bien entendu. Mais après, on a aussi, c'est associé vraiment à la médecine chamanique.
Des femmes, les femmes chamanes, parce qu'il est rattaché au chakra racine et aux plantes médicinales. Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui s'intéresse aux plantes médicinales et qui a des dons et des capacités en herboristerie. D'ailleurs, je vais prendre un message des druides. Et donc, qui serait cette personne, une chamane ou un chaman, et qui se déplace, qui est un communicant, qui a un... fait preuve de sagesse. Et là, on voit quelqu'un qui hésite entre deux possibilités. On a un pape, un empereur, le choix. Et il y a quelqu'un qui rompt, qui se sépare de quelque chose, qui prend une décision, la tour, pour aller vers quelque chose de plus juste. Alors, est-ce que c'est cette chamane qui comprend que ça fait un petit long montant, bah, qu'elle est avec un faux blaireau, elle n'est pas avec le bon blaireau, ou elle n'est pas avec la bonne loutre, et donc, bam, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va chercher la bonne personne. Peut-être que cette personne, elle est partie, il y a eu séparation, dispute dans le cycle précédent, elle a essayé autre chose, elle se rencontre en papillonnant, ici, elle a papillonné, que bon, bah, finalement, parmi tous ces blaireaux, celui-ci était le roi. Je le dis en rigolant, mais voilà, j'ai pas envie. Après, on peut parler bien sûr de héros de fortune qui revient. Donc, il y a la fin d'un cycle. Donc, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans que vous n'avez plus de communication avec cette personne. Il y a un cycle aussi qui fait que 1 an, 2 ans, 3 ans, on a un peu de recul. Peut-être que cette personne elle a un peu de recul. Peut-être qu'elle a pris aussi la flirter à droite, à gauche. Et peut-être qu'elle se rend compte. Bon, ben, moi, je ressens quand même une personne qui pense à quelqu'un à qui elle ne parle plus. Je pense que cette personne, elle est très triste. Moi, je ressentis ça, en fait, après. Et parfois, elle peut être très en colère. Et les deux vont ensemble, malheureusement. Alors, est-ce que c'est à cette personne, elle a une prise de conscience voilà, on va voir. Allez, je prends le temps parce que je suis content d'être avec vous. Je vais prendre ben, une plante parce que intrinsèquement, il est rattaché à la médecine. Le blaireau est donc rattaché à la médecine des plantes, des racines, des herbes. Donc ça peut être quelqu'un qui est passionné par les herbes. Et qui donc a des pouvoirs de guérison. Et donc on a plusieurs cas de figure. On a les couples de blaireaux, ben, en fait, qui ne se sont pas mis avec la bonne. On a un couple de blaireaux là, qui s'adore et qui, à mon avis, s'est pris la tête. Hein. Il s'est disputé, qui a eu une terrible colère. Hein. Et donc, qui se sentent, qui se ressentent parce qu'ils ont un lien. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils doivent être en couple? Mais en tout cas, c'est comme s'il y a un contrat d'âme. Il y a l'union quand même avec le pape. Hein. Le 5 nous parle aussi d'union. C'est un chiffre nuptial hein, chez les Chinois. C'est le chiffre du tout. Et c'est aussi, il va le pape avec la papesse. Sauf qu'ils ne peuvent pas être ensemble 24 heures sur 24, sinon ils se prennent à la tête. Avez-vous déjà vu des loutres se prendre la tête ou des marmottes? C'est rigolo quand même, je le dis en rigolant. Et des blaireaux, ils se disputent aussi. Et quand ils se disputent, c'est pas bon. On a le trèfle. Bon, magnifique carte. On va vers l'énergie du Verseau et on va vers l'énergie du Poisson, là. On va vers l'abondance, on va vers l'ouverture. On va vers la guérison. Le trèfle nous parle de succès. De succès, de célébrité, de prospérité. Et d'amour, on va dire. Donc, c'est quand même pas mal, le trèfle. Il y a quand même une chance, une protection, une guérison, ouais. Une destinée aussi, j'ai envie de dire, et le blé. Donc, dans cette année qui rentre en lieu, dans cette année, il y a possibilité que ces personnes se retrouvent. Ou que dans le couple, par exemple, si vous êtes en couple en ce moment avec cette personne, et que ça puisse s'arranger. Ce que je vous souhaite de tout cœur. Alors, le trèfle, précisément. Pour parler 5 minutes du trèfle, parce que je l'ai tiré. On a le trèfle ici. Voilà, je ferai des tirages un peu comme ça aussi, plus mettre en avant les animaux totems, parce qu'on a des messages qui nous tombent. On a eu des messages du papillon cette année. On a eu pas mal de synchronicité. Le trèfle, santé, sagesse, chance, venin, libération, assimilation. Associé à la page 33. Donc, il y a quand même eu un poison.
Est-ce que cette personne s'injecte du poison? Est-ce que vous êtes mis en colère parce que cette personne, elle se drogue, parce qu'elle boit trop d'alcool, parce qu'elle prend trop de médicaments, parce qu'elle mange trop mal, parce qu'elle se met en danger? Il y a un truc comme ça. On parle d'amour loyal quand même. Cette personne, elle vous aime, même si vous êtes en séparation. On parle de venin à petite dose. Je dis que le venin du serpent peut être curatif, d'une manière ou d'une autre. Donc, à petite dose, la colère, elle peut être curative aussi, parce que quand ça permet de recadrer les choses. L'expérience, par contre, à forte dose, bien entendu, ça devient mortel. Donc, cette carte vous invite d'abord à réfléchir à ce que vous avez appris et à ce que vous désirez bannir de votre vie. C'est-à-dire que si à chaque fois vous êtes amoureux ou amoureuse d'une flamme jumelle qui a beaucoup de poids, qui allait dans le petit poison, ça va, mais si elle a beaucoup de poison à l'intérieur d'elle, c'est pas bon. Il y a quelque chose à travailler, parce que vous répétez quelque chose. Ça, il faut en parler. Après, on nous parle que cette plante, elle est associée à la fête de Beltane du 1er mai. Les jeunes femmes se baignaient alors à la rose, à l'aube, dans la rosée des trèfles, une coutume adoptée par les druides modernes. Voilà. Elle est aussi associée au solstice d'été. Voilà, parce qu'on nous dit que c'était important de trouver un trèfle à quatre feuilles. Donc, je pense qu'il y a quand même cette symbolique du trèfle à quatre feuilles, c'est que c'est rare, un trèfle à quatre feuilles. Donc, on retrouve que il n'y a pas tout, on va pas tout le temps, on reste pas à vie avec quelqu'un. Des fois, on reste 7 ans avec quelqu'un, on reste en bon terme avec cette personne. Après, on reste 7 ans avec une autre personne parce que si, parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la personne avec qui on va rester 45 ans et puis c'est tout. Puis des fois, on la trouve, cette personne, et puis par les mécanismes des peurs et de l'ego qui font qu'on ne sait plus parce qu'on a eu nos échecs, on n'y croit plus ici et là, hop, il y a des explosions, il y a des choses surnaturelles qui se produisent et on ne se parle pas. Alors peut-être que cette personne, elle a aussi ses blessures de l'ego, et certainement. Parce qu'elle est très en colère, cette personne. C'est le côté négatif du blaireau. Et puis, le côté négatif, ça peut être aussi qu'elle est joueuse. Avec le côté loutre. C'est-à-dire, elle est joueuse, elle a besoin, cette personne. Autant le blaireau peut être solitaire, faut trouver un équilibre entre le blaireau et la loutre. Autant la loutre, elle a besoin toujours de jouer toute la journée avec des amis. Ça aussi, ça a pu être, au bout d'un moment, c'est pas très constructeur pour le couple. Quand on a des enfants, on peut pas être tout le temps dehors en train de boire ou de jouer avec ses amis, quoi. Il y a quelque chose qui a pu aussi. Vous avez pu dire à cette personne, bon, bah, tu passes ton temps à vouloir jouer, 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 jouer. C'est trop, c'est trop. Il y a un juste milieu. Il faut grandir. Et peut-être que vous l'avez dit sous un ton un peu colérique parce que ça vous a gonflé. Il y a un truc qui vous a gonflé. Surtout si on vous a fait passer pour la personne immature. Vision audacieuse. Voilà, ça c'est une façon de voir un peu les choses. Vision audacieuse. On a quand même le scarabée, l'abeille. On a quand même quelqu'un au niveau de la gorge qui doit soigner, hein, recycler. C'est passer à autre chose de son passé. Ouais, voilà, elle doit recycler avec le scarabée et l'abeille. Elle doit. Ça nous parle d'amour, l'abeille, d'amour royal, d'amour loyal, d'amour et d'une connexion. Quelqu'un qui a envie de parler. C'est comme si ces personnes, ils parlent de là, ils parlent de là, mais ils s'expriment pas là. Vision audacieuse. Il y a un triple 7, c'est une chance ça. Ce couple, c'est une chance. Hein. Parce que c'est rare de rencontrer la personne avec qui on explore, on cherche. Hein, ouais. Cette carte nous dit on cherche après. Et on ne retrouve pas. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre tendresse qui lui manque terriblement à cette personne. Je sens du chagrin, je sens que cette personne, elle est là et que elle a peur de vous parler. Elle a peur de s'exprimer, c'est compliqué. Elle a peur de s'exprimer parce qu'elle panique. Elle panique. Quand elle commence à s'exprimer, elle s'emballe, elle s'enflamme, boum, 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 et puis ça peut se transformer en colère ou en panique, vous voyez? Parce que l'émotion, la panique. On a sagesse féminine.
Quelqu'un qui pleure. Hein. Alors ça peut être vous qui captez cela, qui pleurez, vous êtes même dit récemment, mais pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Alors des fois on pleure parce qu'on a une vraie cause, et des fois on est pris. Ça, c'est les connexions spéciales. Si vous pensez à une personne d'un coup, quand c'est cette personne, vous ressentez cela. C'est-à-dire, on voit bien les larmes, sagesse féminine, c'est que vous avez un cœur, on retrouve cette, vous êtes hypersensible, on retrouve ce principe de la lune. Vous captez l'autre. Vous captez l'autre. Voilà. Et vous l'attirez à vous. Avec le pouvoir de l'attraction. Vous l'attirez à vous. Vous l'attirez, elle vous attire. Après, c'est compliqué dans la matière, cette histoire de tout feu, tout flamme. Parce que, en parallèle, il y a un monsieur qui me demandait, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre la restauration moi, je ne crois pas. En fait, ça, c'est à voir dans la situation, mais en accompagnement ici et là, spécifiquement, moi, je pense qu'il faut quand même, on peut ressentir cela, avancer, faire des rencontres. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on tombe amoureux d'une autre personne. Donc, il y a quand même cette personne, le pouvoir de l'attraction, vous l'attirez énormément. Vous attirez énormément l'un à l'autre. Après, faut voir votre situation. Qu'avez-vous mis en place dans la communication? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous parlez avec cette personne? Voilà, ça, il faut vérifier. J'ai un coup de téléphone. Est-ce que c'est... sais pas qui c'est. Alors, on va regarder un message des animaux totems. Parce que voilà, on est dans cette tradition. Hop. Il y en a deux qui sont venus. Vous voyez, on a le... Bon, je les prends. Voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Donc là, on est sur le règne aquatique avec la pieuvre. La pieuvre, elle a des capacités de connexion consciente, inconsciente. Elle communique dans un monde onirique. L'eau étant aussi associée au rêve. Et on a également le règne, les corbeaux, qui nous parlent aussi de rêve, d'intuition, de recevoir un message du monde des esprits. Vous recevez des messages du monde des esprits. Il est très très positif ce signe. Et on a encore la chauve-souris. C'est quand même trois, veut dire, eux, dans les fonds marins, il fait pas très, il fait beaucoup sombre. C'est des animaux de nuit, parce que la pieuvre, elle va dans les profondeurs de l'âme. Lui, il travaille la nuit avec Odin et l'arbre d'Odin. Et lui, on a la chauve-souris. Vous avez le pouvoir de transcender l'échec et d'entrer dans un avenir illimité. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez transcender, si vous avez eu un sentiment d'échec dans cette histoire, vous pouvez attirer à vous le succès. Alors, ça peut être un succès. Maintenant, dans sa votre histoire, faut voir la situation parce que, voilà. Allez, je vais prendre quelques cartes. Je vais pas le faire long, le message. Je vais pas le faire long. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre... C'est un petit message surprise parce que je ne pourrais pas en faire beaucoup cette semaine, étant donné que j'ai mon fils qui a déjà des guidances à honorer. D'autres projets, donc je vous parlerai prochainement, notamment d'illustrations, mais qui sont pour le coup personnelles, parce que je suis aussi illustrateur. Voilà. Je crois même, voilà, je vous expliquerai la semaine prochaine, je mettrai en place aussi d'autres outils parce que voilà, dans des moments où je ne peux pas faire de guidance privée et compagnie, ce n'est pas simple financièrement aussi, parce que d'ailleurs je ne cours pas après à la guidance, mais alors n'hésitez pas à me contacter pour une guidance, bien entendu, aujourd'hui, pour qu'on puisse planifier le rendez-vous. Hein. Voilà, si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, si vous avez besoin d'un éclairage aussi. Alors, on va prendre la roue celtique. Ouais, chercher des messages. Ah ouais, je vais prendre aussi trois messages des âmes amoureuses. J'ai laissé les autres dans la table.
Alors, on a une personne qui nous dit qu'elle n'est pas encore prête. Il me reste des choses à régler, à gérer. Est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est accepter ce lien? Parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais actuellement, alors ça, c'est une phrase qu'elle a pu vous dire, je ne suis pas prête. Ça a pu vous mettre terriblement en colère. ou alors une phrase de type, elle a des choses à régler pour comprendre ce lien, pour accepter le lien. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Alors, est-ce qu'elle a décidé de laisser, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi, il laisse l'univers, je m'en remets à l'univers. Alors ça va dépendre, hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir du dialogue, ça peut être un peu compliqué. Ça, il y a des méthodes pour réguler. Après, même des thérapies de couple aussi, hein. Après, il y a la dent de scie. Bon, ben là, pour travailler à côté, pendant le silence, ben, il y a des choses à mettre en place de votre côté aussi, hein. Elle a voulu sauter. Je suis amoureuse. Il y a une histoire d'amour. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si tu as du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre toujours pas. Cette personne est amoureuse de vous, même si son comportement ne le montre toujours pas. Et elle est mal entourée. Et cette personne, elle est mal entourée. Et parce qu'elle est entourée de vrais blaireaux et de vraies blaireautes, hein, qui ne sont pas méchants, mais qui en fait n'apportent rien. D'ailleurs, cette personne, elle doit avoir une place de chef ou de groupe où elle s'occupe de sa tribu. Elle s'occupe de sa tribu. Elle s'occupe peut-être, elle s'occupe, elle s'est mise en retrait de sa famille, par exemple, et elle s'occuperait d'une autre tribu. Ou alors, inversement, elle a beaucoup de responsabilités au niveau de sa famille. Voilà. Qui a plein d'histoires, qui a plein de croyances limitantes, qui pense qu'on ne peut pas se mettre avec quelqu'un plus âgé, qui pense que quand il y a quelqu'un qui déraille dans une soirée, il faut l'enfermer à l'hôpital psychiatrique ou l'enfermer en prison, qui pense que lorsqu'il y a quelqu'un qui se met en colère, ben, on n'a pas à se mettre en colère. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui gère tout l'inverse là en effet miroir. Ça peut être autant sur sa famille, mais aussi sur un groupe d'amis, voire au travail en fait. Et elle règle, et elle règle. Et je pense que cette personne, elle va finir par péter les plombs de nouveau, parce que comme elle n'a pas réglé la situation avec vous, et que vous la sentez, et elle vous sent, eh bien, forcément, elle va arriver par une phase où elle pètera les plombs. Alors, combien de minutes? 28. Allez, je fais qu'une ligne du tarot celtique, parce que c'est bien aussi les messages courts. C'est un couple durable. Donc ça, c'est sûr que c'est un couple durable. Mais ce couple durable peut passer par des montagnes russes, surtout en année 8, parce que là, on rentre dans une année 8. C'est aussi l'année du karma. Le chiffre 8, c'est le karma, c'est l'héritage. Et comment vous vous êtes retrouvé dans ce parcours-là, plus fort que la normale? Vous savez, je parle pas, après il faut voir votre situation, attention, ne me dites pas qu'une personne vous a trompé 150 000 fois, hein. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça peut être un lien spirituel platonique aussi. Hein. Ça peut être un lien où il y a eu une dispute voilà, qui a débordé, qui a fait tout ressortir, toutes les peurs aussi. Hein. Où il y a eu une échelle de peurs, voilà. Je parle pas de maltraitance, hein. Je parle pas de perversion. Perversion narcissique, il faut appeler des gens voilà, pour les dire que cette personne est perverse, narcissique et me rabroue du matin au soir. Ça c'est voilà, attention, je parle pas de perversion. Voilà, je parle d'amour. À la base, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a l'impératrice, elle est là, et on voyait l'empereur. Et là, hop, on arrive et l'empereur, il est là. Il la cherche l'impératrice. Elle fait partie de sa famille, dame. Après, je ne vais pas vous faire l'analyse. Il y a un couple, il y a le 2 de denier. C'est-à-dire, c'est un couple qui a peut-être eu des déséquilibres, mais qui est quand même assez complice. Je ne vais pas vous faire l'analyse du passé, parce que vous savez que j'aime bien, moi, faire un guidance privé. Je fais présent, passé, futur, j'analyse tout ça. Et après, ça, je fais mon temps de voyance. Et après, je fais mon temps pour vous dire, voilà, vous la rencontrez comme ça, comme ça, comme ça. Il y a eu ça d'abord. Et après, il s'est passé ça dans votre enfance. Non, 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 j'aime bien parler de tout ça. Et après, on fait guidance.
Ah, je le rappelle. C'est pour ceux qui viennent de s'abonner, je suis obligé de le dire, parce que pour faire connaître un peu mes méthodes de travail. Alors là, boum, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le 21, deux arcanes majeures d'entrée de jeu, il y a la fin d'un cycle. Elle est dans une fin de cycle, cette personne, d'une fin de partenariat aussi. Elle est dans une forme d'opposition parce qu'il y a, voilà, il y a deux personnes qui s'opposent là. Ça peut être un membre de sa famille, un membre de sa tribu, un membre de son partenaire. Elle peut être en couple, cette personne. Et puis, on voit une opposition, c'est pas très clair son couple, là, parce que derrière, on dirait que, y a plusieurs personnes, hein, vous voyez? Et là, il y a une séparation. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui dit, oh, il y a combien de personnes dans cette histoire? Il y en a trois, quatre. Voilà. Et il prend une décision, boum, et c'est soudain. Elle se dirige vers ça. Elle se dirige vers ça. Est en train de peut-être de se séparer. Elle le sait. Il y a quelque chose de très positif, sauf que c'est un 7 où c'est la fin des illusions. C'est quelqu'un qui va arriver, ouvrir les yeux, 7, 22, 29, que sa flamme, 2 et 9, 11, c'est pas celle avec qui elle est actuellement, si elle est en couple. Hein. Et vous l'attirez, cette femme ou cet homme. Bien sûr, je parle, je suis un homme. Je parle aussi pour les hommes là, de la chaîne. Vous l'attirez, cette femme, vous l'attirez, cet homme à vous. Vous l'attirez. C'est un tirage très positif au niveau professionnel aussi. Hein. Vous êtes des gens aussi là qui avancez et qui, avec sagesse, qui allez récolter. Alors oui, au moment où on fait le tirage, c'est la fin d'année, début janvier. Hein, c'est tendu. Hein. Ça peut être, vous sortez d'une transition, la roue elle tourne, mais vous sortez d'une transition et le début de l'année, il peut sembler difficile. Hein. Mais vous allez vers le succès. Il y a un succès, il y a une réussite, il y a un triomphe dans cette histoire. Un nouveau départ, il y a de la passion, une nouvelle communication qui arrive. Cette personne, elle a envie de vous parler. Alors, est-ce que c'est la vie qui va vous remettre en contact? Ou est-ce que c'est elle qui réalise qu'elle est mal entourée et qu'elle s'en éloigne, quoi? Cette personne, elle vous écrira. Cette personne, elle écrira. Elle peut être à son compte aussi, cette personne. Parce qu'on voit une chef d'entreprise. Elle peut être à son compte, c'est une possibilité, ou elle s'occupe de comptabilité, elle fait de la comptabilité là. Mais c'est quelqu'un qui pense à écrire. J'en ai deux. 9 et 6, on va les garder. Elles vont bien ensemble. Le battleur pour finir. Si on est sur les énergies de ce que je vous disais, on a le 9 de un souhait. Cette personne a envie de réaliser un souhait. Avec qui? Avec cet homme qu'elle sait qu'il est généreux. Donc cette personne, elle sait spécifiquement que c'est un couple durable. Avec elle, cette personne, elle peut avoir des enfants, elle peut monter un projet, elle peut faire un truc humanitaire, quel que soit son âge. Elle sait qu'elle peut fonder une famille. Ça peut être un ami au jour d'aujourd'hui que vous connaissez et que vous n'osez pas. Pourquoi? C'est là où il faut en parler. Allez, vous savez quoi? Je vais prendre ces magnifiques cartes parce que je les trouve magnifiques. La sagesse féminine, le pouvoir de l'attraction. Le 13, il est quand même ici. Hein. Là. Le pouvoir de l'attraction, il faut peut-être du temps. Le pouvoir de l'attraction et l'audace. Vision aussi, façon de voir. En amour, 15, ça nous fait 6. Est-ce qu'il y a assez de révélateurs? Aussi. C'est. Ce qui est assez révélateur dans cette histoire, qui est magnifique, de flamme, hein? Mais bon, nous en.
C'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flamme que vous devez plus rien faire, ou pas rencontrer plus personne. Hein? Voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens. Voilà. Il faut travailler le lien, mais pas forcément attendre que. Vous n'êtes pas obligé de finir. Ça peut être une nouvelle personne. Aussi, ce que je suis en train de dire. Voilà, me fermer à rien. C'est maintenant le pouvoir. La manifestation. Bon, ben, j'espère qu'on voit bien. Moi, j'aime bien quand même ce couple-là, cette carte. Hein, on la voit. Ouais. Voilà. Je vais la mettre comme ça plutôt. Parce que il y a un couple sacré là. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail pocoapocoelciegov. C'est une petite expression que j'ai inventée il y a très 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 longtemps quand j'étais jeune. Bref, je l'ai gardée. Et puis, n'hésitez pas à regarder mon CV en ligne et puis et vous abonner, pourquoi pas, aux chansons que j'ai mis en ligne et en avant. J'en écrirai de nouvelles pour l'année 2024. Bisous, ciao ciao.